Alors, le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Ye Dharma. Tous les phénomènes composés sont impermanents, tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance, tout est de la nature de la vacuité, du non-soi, et le nirvana est la paix totale. Je vais dans le refuge, dans les trois joyaux, je confesse mes négativités individuellement, je me réjouis de toutes les vertus de tous les êtres, et je tiens le précieux esprit de veille à mon cœur. La méthode de s'égaliser soi-même et de s'échanger avec autrui, cette méthode, elle a 9 stades. Donc, on doit connaître ces 9 stades sur les doigts de la main. Le premier. Le premier, c'est s'égaliser soi avec autrui. Dakshin Nyamba. Le numéro 2, c'est réfléchir aux défauts de se chérir soi-même. Donc, c'est réfléchir sur les défauts de l'égocentrisme, de se chérir soi-même. 3, réfléchir aux bienfaits de chérir autrui. Quatre et cinq, c'est la pratique de Tonglen, donner et prendre. Quatre, prendre sur soi la souffrance des autres en mettant l'emphase sur la compassion. Donc c'est prendre sur soi la souffrance d'autrui pour en mettant l'emphase sur la compassion. Prendre la souffrance d'autrui en mettant l'emphase sur la compassion, c'est le numéro 4. Le 5, donner votre bonheur, la pratique de donner votre bonheur aux autres, la pratique de donner votre bonheur aux autres en mettant l'emphase sur l'amour bienveillant.
la pratique de donner votre bonheur aux autres en mettant l'emphase sur l'amour bienveillant. C'est le 5. 6. S'échanger soi-même avec autrui. C'est le 6. 7. Se souvenir de la bonté, le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui, c'est le 7. C'est le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui, c'est le 7. Et le 8, l'altruisme. 9, le bodhicitta. Le 1, c'est s'égaliser soi-même avec autrui. Le 2, c'est se souvenir des démérites, des méfaits de se chérir soi-même. Le 3, c'est réfléchir aux bienfaits de chérir autrui. 4, c'est la pratique de prendre la souffrance des autres en mettant l'emphase sur la compassion. Le 5, donner votre bonheur aux autres en mettant l'emphase sur l'amour bienveillant. 6. C'est quoi le numéro 6? L'échange de soi avec autrui effectif. 7. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. 8. L'altruisme. 9. Bodhicitta. Très bien, super. Et donc on a besoin d'avoir ces 9 stades sur le bout des doigts. J'espère que demain matin, vous les aurez sur le bout des doigts. C'est mon espoir, mon inspiration, que nous aurons tous demain ces stades sur le bout des doigts. Le 1. C'est quoi le numéro 1? S'égaliser soi-même et autrui, c'est le numéro 1. S'égaliser soi-même et autrui. Je vais partager avec vous la différence entre la méditation sur la bodhicitta et la méditation sur la vacuité. La bodhicitta, la pratique de la bodhicitta, vous pouvez être aussi créatif. Bien sûr, les deux sont des méditations analytiques. Les deux sont des méditations analytiques. La différence, c'est que pour la pratique de bodhicitta, la méditation, vous pouvez aussi créatif que vous le souhaitez. Vous pouvez apporter vos propres expériences. Donc là, je vais vous partager mes propres expériences que j'ai lues, que j'ai vues, que j'ai expérimentées moi-même. Tout cela, je vais vous le partager avec vous. Parce que ce sont des instructions qui vont être données sur la base de mes propres rencontres, expériences, ce que j'ai lu, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai vu, etc. Maintenant, de cela, vous pouvez prendre, vous pouvez désigner, comment dire, faire. Vous pouvez être extrêmement créatif dans votre pratique. Vous pouvez extraire des expériences de ce que je vous l'avais lu, que moi je n'ai pas nécessairement lu, que vous avez vu, que moi je n'ai pas nécessairement vu, que vous avez expérimenté, que je n'ai pas nécessairement expérimenté. Vous devez apporter, bien sûr, des histoires, des récits, des anecdotes qui sont extrêmement puissantes aussi. Et vous pouvez, ce que vous devez, à partir de votre propre expérience, vous pouvez les apporter dans votre méditation et vous devez être créatif. Et donc pour la méditation sur la vacuité, ne soyez pas créatif. Si vous êtes créatif, pourquoi je dis ça? Parce que pour la bodhicitta, c'est quelque chose, ce n'est pas grave. On n'a pas toujours combiné ces expériences ensemble. Mais quand je vais les partager avec vous, vous allez dire, ah, tiens, j'ai eu une expérience similaire. On a tous eu ces expériences. Mais la vacuité,
Nous, c'est quelque chose, c'est un territoire sur lequel nous n'avons jamais été auparavant. Et donc, si on essaie d'être créatif, on va aller jouer on va aller finir dans le territoire des terroristes, on va finir dans le nihilisme, par exemple. Et donc, pour la vacuité, une fois que vous avez compris ce qu'était la vacuité de manière extrêmement précise, il n'y a pas le danger d'être piégé quelque part. Après, vous pouvez être créatif, ça va. Mais pour la Bodhisattva, vous devez être créatif. Si vous n'êtes pas créatif, la Bodhisattva, votre pratique de Bodhisattva, ça va être quelque chose. Vous pouvez apprendre tellement vite, mais l'expérience est tellement difficile. Pour développer une expérience, c'est tellement difficile pour la vacuité. Vous apprenez, ça prend beaucoup de temps d'étudier la vacuité. Ce qu'est exactement la vacuité. Au moment où vous pensez avoir compris la vacuité, vous avez compris que quelqu'un a plus appris que vous, et vous découvrez que finalement il y a tellement de territoires que vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas clair par rapport à ça. Et donc pour la vacuité, ça prend du temps, ça va prendre du temps pour comprendre vraiment ce qu'est la vacuité. Et donc une fois que vous l'avez comprise, avoir une expérience de la vacuité, ce n'est pas inaccessible. Une fois que vous avez développer les études complètes. Et l'expérience vraie de la vacuité, ce ne sera pas trop éloigné. Ce sera assez rapide. Alors que pour la Bodhisattva, connaître ce qu'est la Bodhisattva et savoir comment le pratiquer, vous pouvez l'apprendre très rapidement. Simplement, en une semaine complète, vous pouvez apprendre tous les détails sur la façon de pratiquer Bodhisattva. Mais l'expérience, pour expérimenter Bodhisattva, ça prend des années et des années et des années. Et donc, c'est la différence. Quel est le premier stade? S'échanger, s'égaliser soi-même avec autrui. S'égaliser avec autrui. C'est le premier des 9 stades. La tendance que nous avons, c'est naturellement. Le premier jour, qu'est-ce qu'on a dit? On est le premier jour où on est né sur cette terre. Le premier jour, on a tous pleuré. On a tous pleuré. Et la plupart du temps, 99%, si ce n'est pas 100%, 99% des gens qui pleurent, des bébés qui pleurent, c'est parce qu'ils ont faim ou ils ont soif. Personne n'a pleuré parce que le bébé d'à côté, l'autre bébé d'à côté n'avait pas de lait. Et donc, ça veut dire que c'est là où nous en sommes. Cette attitude, c'est l'attitude égocentrique. C'est l'attitude égocentrique. Et on ne devrait pas se sentir timide par rapport à ça. Avoir l'égocentrisme, c'est là où nous en sommes. On devrait en être témoin, on devrait le reconnaître. Et si le reconnaître, ça vous aide, ok. Si, mais cela ne nous aide jamais, l'égocentrisme. Ça ne fait que nous détruire. Et donc le point ici, c'est que nous avons besoin de savoir comment se débarrasser de cela. C'est pas se dire, oh non, l'égocentrisme, c'est pas bien, je vais m'en débarrasser à partir d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas si facile. On a besoin de ces 9 stades pour y arriver. On avait besoin de 7 étapes pour l'autre méthode. Et donc, c'est pour faire en sorte, il ne suffit pas simplement de faire un décret et de dire à partir de demain, je n'ai plus d'égocentré. Ce n'est pas si facile. On a besoin de. Le point ici, c'est qu'on doit découvrir d'une manière extrêmement sage ces 2 méthodes. C'est pour ça qu'elles sont enseignées. Et pour les pratiquer de manière les expérimenter, ça va prendre du temps. Et pourtant, si vous êtes constant, vous pourrez l'expérimenter. Si vous espérez que le résultat viendra cette nuit, ça ne viendra jamais. Vous avez le potentiel de l'expérimenter, mais délibérément, vous allez créer une chute. Et donc, une défaillance. Et donc, il ne faut pas être trop ambitieux, mais essayez, prenez des pas l'un après l'autre. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la constance. C'est ça le plus important. La constance. Avec cet état d'esprit, le stade 1, s'échanger, s'égaliser soi-même avec autrui. Qu'est-ce que ça veut dire?
comment est-ce qu'on est né avec cette attitude égocentrée? On ne voit pas les autres et moi et soi-même comme égaux. On n'est pas né avec ce sentiment du fait que soi-même et les autres, on est égaux. N'est-ce pas? Ça, il faut le reconnaître. Et maintenant, après avoir grandi, là où vous pouvez penser, où on peut calculer, vous pouvez compter sur soi-même. Où est la compassion? Ok, c'est pas grave. La compassion, elle viendra, ne vous inquiétez pas. Mais il faut être réaliste. Et il faut être extrêmement réaliste. Si vous êtes né, le premier jour que vous êtes né, vous avez pleuré. Si vous avez pleuré parce que les autres bébés avaient faim et n'avaient pas de lait, très bien, ça, vous êtes très spéciaux. Il y a quelques êtres qui sont extrêmement spéciaux, qui sont nés comme ça. Des êtres extrêmement spéciaux qui sont nés comme ça, extrêmement exceptionnels. Sinon, 99% des êtres sont comme nous, ils sont nés avec quoi? Avec? En étant égoïste ou en ayant la tête déconcentrée. Il faut le reconnaître. Et il faut reconnaître notre faiblesse, les défauts que nous avons. Et à ce moment-là, si on s'efforce, on pourra s'en débarrasser. Donc la première étape, c'est, on va dire, je dois aimer les autres, et parce que certains l'ont dit, soyez compatissants, etc. Le plus beau cadeau que vous allez me donner, c'est de développer la compassion, etc. Et on se dit, je ne me chérirai jamais moi-même, et ce n'est que des mots, ça n'arrivera jamais. Il faut prendre des étapes. Le Bouddha dit, est-ce que le Bouddha dit gâté bodhisattva? Non, il a dit gâté, para gâté, para sam gâté bodhisattva. C'est la réalité. Si c'était si facile, le Bouddha aurait juste dit, gâté bodhisattva, gâté bodhisattva. Mais le mantra est plus long, gâté, para gâté, para sam gâté bodhisattva. Et donc ça veut dire que cela prend des étapes, c'est la réalité. En même temps, si on n'est pas réaliste, on n'arrivera jamais à avoir la victoire, à se donner le plus de bonheur et le bonheur infini et l'intrépidité, ce sera impossible. La première chose qu'on doit faire, qu'on doit être, on doit être réaliste. On doit être extrêmement objectif, mais en même temps réaliste. Et il y a une chose que j'aimerais mettre l'accent, c'est il faut être extrêmement objectif. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'objectif? La science dit qu'il faut de l'objectivité. Il faut avoir une approche objective. C'est-à-dire que nos pensées ne doivent pas être influencées par ce qui arrive. Vous devriez voir ce qu'il y a vraiment là. Si je n'aime pas la personne A, et quoi que fasse la personne A, ce sera négatif. C'est pas du tout objectif. Et avec cette absence d'approche objective, vous n'arriverez jamais à suivre cette voie. Gâté, c'est impossible. Et donc, d'emblée, on devrait être extrêmement objectif. Ça veut dire, si vous pouvez, par exemple, la personne A est une personne super, et puis vous avez un clash, d'une manière ou d'une autre, et tous les gens autour, et donc ils apprécient énormément la personne A, parce que la personne a des qualités, bien sûr elle a des défauts, et vous voyez que des erreurs. Et d'autres personnes vont louer la personne devant vous. Et quelle est votre attitude? Vous allez aussi louer cette personne? Vous allez faire l'éloge de cette personne? Ou vous allez dire, oui mais... Voilà, oui mais... N'est-ce pas? Et si vous êtes un petit peu attentif, vous allez dire, tiens, je suis en train de participer à la Bodhisattva Retreat, je devrais être un peu plus objectif, et je ne devrais pas dire mais. Donc vous ne dites pas mais. Et la personne B est en train de faire des éloges à la personne A, et vous avez envie de dire B, me, mais. Mais parce que vous êtes à la retraite de Bodhisattva, vous ne pouvez pas dire ça. Mais vous ne pouvez pas dire des choses bonnes non plus. Vous ne pouvez pas dire tellement de choses bien sur la personne A. Vous allez rester neutre. Et donc là, vous devez dire des choses bien, parce qu'après la retraite bodhisattva, vous devrez être objectif. Ah non, qu'est-ce qui nous empêche?
cet empêchement, c'est quoi? C'est l'attitude égocentrique. L'attitude égocentrique peut se manifester de tellement de formes différentes. Ça veut pas dire, ah, moi, je veux le premier. Ça, c'est tellement manifeste. Mais elle peut se manifester de manière tellement forme subtile. Par exemple, vous n'aimez pas cette personne, vous n'allez pas louer cette personne. Ne serait-ce que rester neutre, c'est déjà difficile. C'est là où nous en sommes, l'attitude égocentrique. Alors que si la personne A et vous avez un clash, et la personne A vous loue, elle vous fait votre éloge, vous êtes très content, mais vous n'allez pas faire le compte, vous n'allez pas vous-même faire l'éloge de cette personne. C'est à quel point c'est tellement basique, on est tellement biaisé dans notre attitude. Et donc le premier stade, c'est de s'égaliser avec les autres, s'égaliser soi-même avec les autres. Comment est-ce qu'on s'égalise soi-même avec les autres? C'est la question. Et il y a un instinct naturel que nous avons, simplement essayer de rationaliser les enseignements du Bouddha. Il y a l'emphase immense sur la rationalité. Il faut utiliser la pensée rationnelle. C'est le sens commun. Le sens commun, c'est rien que ça, la pensée rationnelle. Et donc, si quelqu'un vous demande, on est sous la chaleur implacable du soleil, etc. Et donc, je ne veux pas de verre d'eau. Et vous allez demander, qui veut un verre d'eau? Vous allez dire, qui veut un verre d'eau? Vous allez dire qui? Moi? Qui veut un verre d'eau s'il fait chaud? Sophie va dire, ok, n'importe qui. Okay. Cela dépend de la façon. Si vous avez vraiment soif, cela dépend de votre soif. Si vous avez 20% de soif, ok. Vous allez dire ok. Donnez le verre d'eau à Franck. Donnez le verre d'eau à Aude. Ok, donnez-le à n'importe qui. N'est-ce pas? Si vous avez soif à 50%. Et là, quelqu'un va dire, ah, j'aimerais bien l'avoir. Et là, on va se dire, ok, on est pareil, mais j'aimerais bien l'avoir. 80% de soif. Et là, c'est sûr que tout le monde va dire, oh, moi, je le veux. C'est l'instinct impulsif. Et si vous avez 80% de soif, là, c'est fini. Tout le monde va sauter sur la... Et vous n'allez même pas écouter ce que vous allez dire. Vous allez sauter sur le verre d'eau. C'est la façon dont notre esprit est si biaisé. Et il n'y a aucun sens d'égalité vis-à-vis des autres. Alors, pourquoi vous? Et si quelqu'un vous demande, pourquoi vous? Quelle est votre réponse? Si quelqu'un, pourquoi vous voulez le verre d'eau? Pourquoi vous? Je veux le verre d'eau. Pourquoi vous? Si quelqu'un vous demande, quelle est votre réponse? Oui, parce que j'ai soif. Et l'autre question. Charles a soif? Vous allez dire, oui, il a aussi soif. Et donc, qui le veut? Je veux. Et pourquoi vous? Et vous allez dire, parce que j'ai soif. Et si c'est la raison, si c'est une raison valide, alors n'importe qui a soif devrait l'avoir. Charles a aussi soif. Thomas a aussi soif. Katia a aussi soif. Katia, tu as soif? Donc tout le monde a soif. Pourquoi toi? Donc ça dépend si la soif se développe. Le degré de soif se développe en vous, 50, 60, 70. Et c'est qu'un va dire qui le veut, et vous allez dire moi je le veux. Pourquoi vous? T'es fou. Pourquoi vous? On va dire t'es fou. On ne va pas simplement aller sur des raisonnements, on va simplement dire « j'ai soif, je suis plus important que les autres ». Vous comprenez? C'est exactement là où nous en sommes. Mais ce n'est pas où vous en êtes vraiment. C'est juste la réalité temporaire. Ce n'est pas véritablement là où vous en êtes, ce n'est pas votre véritable nature, c'est une nature adventice. C'est là où notre état d'esprit, il est tellement dans l'inégalité entre vous et les autres. Avec cela,
avant qu'on ait cette souffrance extrêmement aiguë de la douleur, de la soif, etc., on a plutôt un état d'esprit plutôt assez non manifeste. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de penser à ces choses, de se dire quand vous n'êtes pas dans un état, dans la crispation de la douleur, s'il y a une situation, si j'ai extrêmement très soif, etc., donc il faut essayer de penser à ça. On va dire, tiens, je prendrai le verre d'eau moi-même. Et pourquoi ? Parce que moi j'ai soif, mais il y en a d'autres qui ont soif. Et non, on est aussi égaux. Et les autres ont soif autant que moi. Et donc aucun des deux ne souhaite avoir soif, c'est vrai. Et donc quelle est ma responsabilité ? Est-ce que je vais prendre le verre d'eau ? J'aimerais bien l'avoir. À nouveau, on va se dire, tiens, moi, ce sentiment de « je suis plus important que les autres ». Donc c'est comme ça qu'on a besoin de penser. Et qu'il n'y a pas... à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir l'eau uniquement pour soi-même. On est tous égaux. On n'y a jamais pensé avant. Parce que on a cette attitude égocentrique qui est toujours là, qui est en train d'appréhender les choses. On est toujours là, qui a toujours la main sur les choses. Et elle domine notre pensée. Et donc, le plus où on y pense de manière rationnelle, c'est de se dire ce qui est bien, c'est que l'attitude égocentrique ne repose pas sur des fondations solides. Si vous rationalisez, vous allez voir que l'attitude égocentrique n'a pas du tout de fondement. Et donc l'attitude égocentrique va devenir de plus en plus faible, faible, faible. Et donc c'est là où on a besoin de penser de manière extrêmement sérieuse, de se dire que nous voulons tous être heureux, nous voulons tous échapper à la souffrance. Pourquoi moi je devrais avoir la primeur? Et donc, quand on pense comme ça, on se dit, mais c'est tellement de la négation de soi. Je n'ai pas de pourquoi. Pourquoi est-ce que je devrais avoir un traitement spécial? Et pourquoi je ne serais pas exceptionnel? Il n'y a aucune raison. Ça, c'est de la négation. Non, pas du tout. Si vous allez entrer dans cette pratique, vous allez voir. C'est une forme de la façon dont on va avoir une opération à l'hôpital. Avant d'avoir un traitement, une opération, on devrait écrire quelque chose, non ? Signer, pardon. On devrait signer une décharge. A paper, something like a... Yeah, on doit signer un paper. Est-ce que tu l'as signé l'année dernière ? Et c'était quoi ? je vais être heureux ou qu'est-ce que tu as signé? Si je suis heureux, donc tu vas être responsable ou qu'est-ce que tu as signé? Et si quelque chose ne va pas bien, je ne suis pas responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc c'est ça, c'est qu'on prend un risque. Et donc pourquoi? Un risque pourquoi? Pour un meilleur bien. C'est parce que j'ai un problème, je dois avoir un traitement, et donc le docteur, il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas. Et donc, le résultat, ça pourrait être que c'est assez effrayant, malgré tout. Et donc, si l'issue est assez effrayante, pourquoi est-ce que je devrais avoir le privilège? Pourquoi est-ce que je devrais être traité comme un spécial, etc.? Ça, c'est comme signer cette décharge. C'est comme signer cette absence de responsabilité de la part du docteur, si les choses ne se passent pas bien. Donc, c'est exactement comme ça quand vous pratiquez la compassion. Il y a des petites pensées qui pourraient arriver. Quand vous allez avoir l'opération, il n'y a pas de souci, vous signez la décharge. Mais pour faire cette pratique, c'est garanti, il n'y a pas d'effet secondaire. La pratique de la compassion, où il pourrait sembler être une dénégation de soi, c'est garanti qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Alors que si vous avez une opération, c'est la signature, c'est justement parce qu'il pourrait y avoir des problèmes secondaires, des effets secondaires. Et donc, alors que cette pratique où il semble qu'il y ait une dénégation de soi, mais en fait, il n'y a pas du tout. Vous ne faites que devenir de plus en plus heureux, ça c'est garanti. Cela nécessite une certaine sagesse.
la sagesse pour voir le paysage de manière plus panoramique. Et donc, à ce moment-là, vous allez entrer dans cette pratique. Pourquoi est-ce que nous sommes égaux avec les autres? C'est qu'on est tous égaux dans le fait qu'on veut tous être heureux, on veut tous échapper à la souffrance. Parce qu'avec cela, il n'y aurait aucune précédence. Il n'y a aucune primauté pour moi. Il n'y aurait pas de préférence spéciale pour moi. C'est le numéro un. Ensuite, numéro deux. Et cette réflexion est si importante pour le numéro 2, l'état du numéro 2. Et donc, il est possible que vous ne trouviez pas ça dans les textes, et il est possible que vous ne trouviez pas ça enseigné par d'autres enseignants. C'est très important. Et quand on pense à cela, cela va rendre cette pratique d'emblée l'égalisation de soi avec les autres d'une manière extrêmement facile. Qui est, on est tous égaux dans le fait d'avoir la nature de Bouddha. On est tous égaux dans la nature de Bouddha. Dans le fait d'avoir la nature de Bouddha. J'ai la nature de Bouddha. Vous avez la nature de Bouddha. Si je suis très spécial, parce que j'ai la nature de Bouddha, chacun d'entre vous est aussi très spécial parce que vous avez la nature de Bouddha. Pourquoi cette pratique? Ce second processus de pensée est très important. Imaginez, moi ça m'aide énormément. Imaginez quelqu'un qui est une personne extrêmement difficile. Cette personne difficile a aussi sa famille. Et la même personne qui est difficile, quoi que vous fassiez, la personne va avoir soi comme domaine, va vous critiquer. Mais la personne, quoi que fasse son fils ou sa fille, jeune enfant, pas nécessairement un adulte, mais son jeune enfant ou sa petite fille, etc. Et quoi qu'elle fasse ou qu'elle fasse, c'est tellement merveilleux. Alors, la même personne, cette personne a la capacité de voir les choses de manière tellement merveilleuse si d'une manière ou d'une autre, d'une certaine manière, la personne devient extrêmement proche de vous, quoi que vous fassiez, la personne, elle verra tout de manière merveilleuse. C'est garanti. Et la question, est-ce que cette personne a cette capacité de voir les choses en moi, des choses bien en moi? Est-ce que cette personne a cette capacité? 100% oui, c'est la nature de Bouddha. Si toutes ces souillures sont enlevées, c'est la nature de Bouddha et manifeste, la personne va vous aimer de la façon dont le Bouddha vous aime. Vous allez voir, tout chaque respire, chaque expire, toute gestuelle, tout comportement se sera vu comme étant magnifique. De la façon dont la mère prend son jeune enfant dans les bras, qui a 1 an, 2 ans, et elle lui sourit, et l'enfant ne comprend pas ce sourire, etc. Mais elle lui parle et elle lui sourit, en donnant tout, c'est exactement ce que cette personne, si la nature de Bouddha était manifeste, cette personne manifesterait l'amour et l'affection des millions de fois bien plus puissantes que l'amour d'une mère pour son enfant, dans ses bras. Et c'est si important pour nous. Imaginez que cette personne, si les souillures mentales étaient éliminé, sa nature de Bouddha était manifeste, était mise à nu. Toutes les réactions de cette personne vis-à-vis de moi, comment cette personne serait, quelles seraient ses réactions vis-à-vis de moi? Imaginez, ce serait tellement à bras ouverts, ce serait tellement... Le Bouddha Shakyamuni, imaginez le Bouddha Shakyamuni. Et s'il était vivant de nos jours, bien sûr il est vivant, si nous avions les purifications karmiques pour le voir aujourd'hui, toutes les activités qu'on ferait aux yeux du Bouddha, il vous accueillerait à bras ouverts, il ne vous abandonnerait jamais.
et sera toujours vous accueillir avec les bras ouverts, avec l'amour et la compassion. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Si vous pouvez imaginer cela, la même personne que maintenant, vous voyez, se révèle comme un Bouddha, qui est très confiant, que vous avez la confiance de voir que quoi que vous fassiez, le Bouddha vous embrasse avec l'amour et la compassion. C'est la même personne, il y a plusieurs kalpas par le passé, était pire que la personne difficile que vous avez en face de vous. Quoi que vous fassiez, maintenant, ce qui est un Bouddha, il y a plusieurs airs cosmiques par le passé, il voyait tout en négatif en vous. Et aujourd'hui, sa nature de Bouddha qui est éveillée pleinement, quoi que vous fassiez, c'est merveilleux à ses yeux. C'est le changement qui est possible. Et donc, même cette personne difficile que vous voyez maintenant, c'est garanti que si la nature de Bouddha qui est à l'intérieur était manifeste, elle vous embrasserait de la même façon, de manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus affectueuse que la mère qui embrasse son enfant dans ses bras. Si vous pensez de cette manière, c'est extrêmement puissant. De la façon dont vous pensez à cela. Ah, j'ai aussi la nature de Bouddha. Cette personne a la nature de Bouddha. Les autres personnes, si les deux deviennent manifestes, parfois, dans une famille, deux sœurs, deux jeunes sœurs, elles ont de la jalousie entre les sœurs parfois. Vous connaissez cela? Pas toutes. Et deux frères, parfois, ils peuvent aussi être jaloux l'un de l'autre. Les sœurs et frères et sœurs, etc., il peut y avoir certaines jalousies, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, les deux sœurs sont tellement affectueuses l'une envers l'autre, elles ne peuvent pas se séparer l'une de l'autre. Et quel que soit, tout ce que possède l'une, c'est pour la donner à l'autre. Et tout ce que l'autre a, c'est pour la donner à la première. Donc c'est si merveilleux. Et donc ces pratiques sont tellement puissantes pour quoi que toutes les belles choses que vous voyez, et particulièrement dans les relations, les parents, les enfants, etc., dans les fratries, etc. Vous devez observer cela très bien. C'est si important. Voyez simplement cela. Que la sœur aînée qui arrive dans ses études, elle devient extrêmement célèbre. Et la jeune sœur, elle va être tellement fière de cela. Et parfois, la jeune sœur, elle va être jalouse. Ah, tout le monde parle de ma sœur, etc., mais jamais personne ne s'occupe de moi, etc. Et donc, il peut y avoir de la jalousie. Mais dans certains cas, elle va être extrêmement fière de sa sœur aînée qui a réussi qui a couronné de succès. Elle sera encore plus fière que sa sœur réussisse plutôt que si c'était elle qui réussissait. C'est là aussi. Essayez de prendre ces exemples. Si c'est ce qui arrive, cela indique l'amour dans le cœur de ses sœurs qui est authentique. Donc elles sont si amicales, si elles s'entendent si bien qu'il y en a une qui devient de plus en plus couronnée de succès, etc. Et donc si l'autre elle devient jalouse, c'est que l'amour n'était pas si pur. Quand l'amour est pur, quand vous voyez l'autre qui arrive dans la vie, vous êtes extrêmement joyeux. C'est ça l'amour pur, la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, imaginez, c'est l'amour le plus pur qui puisse exister quand la nature de Bouddha est manifeste. Et donc la personne va vous embrasser à la bras ouverts avec amour et affection. Et elle fera tout pour vous. Si vous pouvez imaginer cela, instantanément, ce gouffre entre vous et les autres va se dissoudre. Et donc, entre deux sœurs, deux frères qui sont extrêmement affectueux, à certaines périodes, quand l'affection est si proche que même ils peuvent se sacrifier, ils pourraient tellement être heureux de sacrifier leur vie pour les autres. C'est grâce à l'amour qui est extrêmement pur. Et cette pureté de l'amour, la forme la plus pure de l'amour, c'est quand la nature de Bouddha se manifeste. Et donc ça, cela démontre que la personne a la nature de Bouddha. Imaginez la nature de Bouddha qui soit complètement manifeste, ce serait merveilleux. Même si je suis différent, même on dit cette personne est difficile. Cette personne est difficile, mais pour moi je suis difficile pour cette personne. Et quelle que soit même si je suis difficile et cette personne est difficile, mais cette personne, elle m'accueillera à bras ouverts. Il n'y aura pas de discrimination.
Le Bouddha, plus cette personne verra du succès en moi, plus cette personne sera fière et heureuse. C'est tellement merveilleux. C'est extrêmement puissant pour dissoudre ce sentiment d'égocentrisme. Et donc, je ne prends pas toute mon attention, l'attention, elle est tournée vers les autres. Et ça, c'est l'attitude égocentrique extrêmement forte. Et l'attitude égocentrique, elle est toujours en nous. Et donc, avec cet exercice, on peut voir. Imaginez, s'il y a quelqu'un que tout le monde respecte, et pourtant, cette personne, elle est possible que cette personne sacrifie tout pour vous. Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous vous sentirez jalouse vis-à-vis de cette personne? Non, parce que cette personne, elle est prête à tout abandonner pour vous. Et donc, c'est la façon dont cette personne pourrait vous aimer. Si vous ressentez cela de votre côté, vous allez aussi laisser tomber votre jalousie et votre sentiment égocentrique et vous allez vous tourner vers cette personne. C'est comme ça qu'on peut réfléchir. Et c'est le point numéro 2. Maintenant, mais cette personne est toujours une personne difficile. Difficile, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette personne est difficile? C'est à cause de son attitude égocentrique. L'attitude égocentrique, c'est la faiblesse de ces personnes. Ce n'est pas sa véritable nature. De cela, vous devriez vous sentir compatissant vis-à-vis de cette personne. D'une certaine manière, cette personne, elle est assez agile. Si cette personne était suffisamment intelligente pour se débarrasser de son égocentrisme, elle vous embrasserait. Et donc, ce n'est pas ce que cette personne est. Sa véritable nature, c'est de m'embrasser. Et donc là, on est en train de se focaliser sur moi pour m'embrasser moi, même moi. Et donc c'est à cause de quoi? Parce qu'on a toujours cette égocentrisme en nous. C'est avec cela qu'on commence. Avec cela, on va penser à ces trois points. Et graduellement, on devrait penser encore plus, réfléchir encore plus. La méditation analytique, ça veut dire, c'est une méditation, c'est se familiariser. C'est le sens de la méditation, c'est-à-dire au travers de l'analyse. On le fait au travers de l'analyse pour se familiariser avec ce processus conceptuel. Plus vous allez vous familiariser avec ce processus conceptuel, automatiquement, le sentiment d'égalité va venir avec vous de plus en plus fort. Et parfois, on pourrait penser, ok, ce sont des idées géniales, mais pratiquement, je dois vivre dans le 21e siècle avec tellement de compétitions. Et c'est très bien, tout ça c'est super. Quand on est isolé dans un endroit, dans un ermitage, ça c'est une super pratique pour les ermitages, mais ça ne fonctionne pas dans la ville. Et c'est ce qu'on peut penser. On peut garder à l'esprit, que vous le croyez ou non, on est tous des origines dépendantes. Même si on pense, ah non, ça c'est des super idées, mais ça c'est pas vraiment, ça ne fonctionne pas avec moi. Je suis une personne qui a un caractère trop difficile, je suis trop irascible, je suis tellement égoïste, ça ne va pas jamais fonctionner avec moi. Non. Je ne suis pas en train de dire que vous allez changer au cours de la nuit. Soyez qui vous êtes. Qui que vous soyez, soyez. Vivez avec ça. Mais en même temps, laissez un petit espace pour la pensée. Gardez l'esprit. Mais je suis aussi advenu en dépendance. Je suis fait de 6 éléments. De la terre, les éléments solides de mon corps. Et je suis l'eau aussi, je suis fait de l'eau, les fluides, la chaleur avec le feu, et puis l'air, l'espace, la conscience, l'esprit, etc. Je suis fait de ces 6 éléments. Séparer ces 6 éléments, Geshe-la n'est plus là. Et donc, c'est juste une origine dépendante. Ok. Le corps et puis l'esprit. Si ce corps est jeune,
On va dire Dodger est jeune. Si le corps est vieux, on va dire Dodger est vieux. Si l'esprit est compatissant, on va dire Dodger est compatissant. Si l'esprit est extrêmement égoïste, on va dire Dodger est extrêmement égoïste. C'est la façon dont je suis. Je suis devenu en dépendance de plusieurs facteurs. Voyez ces deux personnes. Le stupa. Regardez le stupa. Il est très ancien, un stupa très ancien. Qu'est-ce qui fait que ce stupa est un peu décrépit? Qu'est-ce qui fait que ce stupa est un peu décrépit? Parce que ce stupa est une origine dépendante. Vous êtes d'accord avec moi? Ce stupa est une origine dépendante, et donc il est advenu en dépendance de, imaginons, de 1000 briques, par exemple. 1000 briques. Et donc le stupa, il est fait de ces briques. Et donc il est décrépit. Pourquoi? Parce que les facteurs en dépendance desquels le stupa a été érigé, ces éléments ont été décrépits, ont été... Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever les facteurs, vous allez enlever une brique, et puis vous allez mettre une brique en or à la place. Enlever l'autre brique qui est un petit peu décrépit, et vous allez la remplacer avec une brique en or, une à une. Graduellement, le stupa va briller, va commencer à briller. Et ensuite, à un certain point, tous les facteurs qui faisaient que le stupa était décrépit, ça va être remplacé par des facteurs dorés, et donc ce stupa va être un stupa d'or. Et c'est la réalité. Et donc on est un petit peu comme le stupa, un peu décrépit. On est fait de on est des origines dépendantes. On est survenu en dépendance de plusieurs facteurs. Et on doit changer ces briques en nous. Enlever les briques décrépies pour les remplacer par des briques en or. Par exemple, venir au centre Kalachakra, et puis on est venir ici, on a célébré l'anniversaire de sa santé, on n'a pas célébré Staline, on n'a pas célébré Mao Zedong, n'est-ce pas? On a célébré une source pure de sa santé de Dalai Lama. Et donc c'est parce qu'on admire ses qualités. Dès l'instant où on admire ses qualités, la première impression, c'est qu'on a ajouté une brique. Une brique en or. Et donc, des moments où on étudie étape par étape, c'est égalisé par on rajoute une brique en or. Et c'est comment nous, ce stupa un peu décrépit, lentement en train de changer, en enlevant des facteurs. Quand cela arrive, un jour, vous pourrez briller. Vous allez sentir, moi et les autres, nous, on est tous les mêmes. Pourquoi est-ce que je devrais être traité comme quelqu'un de spécial? Non, il n'y a pas besoin. On est égaux. Et à un autre point, vous allez voir que les autres sont plus importants que moi. C'est ce qui va arriver. C'est une question de pratique. Vous avez besoin de remplacer les facteurs décrépits pour mettre les briques en or. Cela prend du temps. N'espérez pas que cela va venir, que tout va venir dans la nuit. Ce n'est pas possible. Mais ce qui est nécessaire, c'est n'abandonner jamais et continuer encore et encore d'enlever les briques décrépies et les remplacer par les briques en or. Et continuer, c'est important. La constance, c'est important. Et donc avec cela, il y a un autre point. Donc vous arrivez à un niveau où, pour les êtres ordinaires, conventionnellement, c'est-à-dire, oui, en effet, c'est votre roi de droit, mais moi, les autres, on n'est pas égaux. Pour partager une anecdote, on doit essayer de supporter notre pratique méditative avec des vraies anecdotes. Pas juste des contes de fées, mais des choses de la vie. Une fois, sa santé Gondar Tiripoche, c'était en 98, sa santé Gondar Tiripoche,
le Gandhi de 1998, qui est décédé il y a plusieurs années, avant qu'il soit sa sainteté Gandhi de Poitiers, quand il était très jeune, personne dans le monastère, à l'extérieur de sa classe, personne ne savait qu'il serait un érudit aussi grand, parce qu'il était toujours dans l'humilité, très humble. Pour essayer de la faire courte. Quand il a ensuite passé son diplôme de guéchet, et là, il devait se montrer devant des milliers de moines. Et tous les moines, simplement en entendant sa voix, la voix de quelqu'un, il savait qui parlait. Surtout ceux qui étaient assez brillants, et ils brillaient parce que il donnait des réponses excellentes, et des réponses extrêmement habiles, et donc on avait l'habitude de leur voix. Et un jour, quand la question a été posée à lui et ses collègues ne pouvaient pas donner la réponse, lui il a donné la réponse pour le diplôme de guéchet, où on est 5-6 moines assis pour le dernier diplôme de guéchet, et tous les autres sont devant nous, et il a donné une réponse. Et donc, autour de sa classe, tous les moines se disent « Mais c'est qui ? On n'a jamais entendu sa voix. » Et la réponse était tellement précise, tellement intelligente. Et ils se sont dit « Mais c'est qui ce moine ?» Ils se sont rendus compte que c'était le moine humble qui avait toujours, qu'il n'espérait jamais qu'il serait un grand érudit. Et il a donné la réponse. Il est devenu un extrêmement populaire. Et puis, progressivement, il est devenu l'abbé du monastère tantrique Gyuto. Et puis, ensuite, il était sur la liste des Gananji Rinpoche. Et puis, avant d'être le Gananji Rinpoche, il était l'un des abbés du monastère tantrique de Gyuto. Et dans les années 97, dans les années 70, les institutions tibétaines étaient extrêmement pauvres. Dans les années 70, ça faisait 10 ans qu'il s'était exilé du Tibet, qu'il avait fui le Tibet, qu'il s'était installé en Inde, et tout le monde était tellement pauvre. Et lui, il y avait un grand enseignant qui avait ses intendants, des jeunes moines, qui avaient des muscles. Parce que les institutions financières étaient tellement basses, ils n'avaient même pas d'argent pour se payer comment ça s'appelle pour le train avec la climatisation, etc. Et donc tout le monde se précipitait dans l'endroit où il n'y avait pas de clim, etc., dans l'endroit le moins cher. Et donc ce moine avec ces jeunes moines qui avaient des muscles, ils s'asseyaient là, et donc les Indiens, etc., tout le monde allait là où il y avait des cabines, et donc on n'arrivait pas à avoir des sièges assis. Et donc tous ces jeunes moines, ils poussaient les autres, et donc ils avaient un siège, et donc ils invitaient le vénérable pour s'asseoir. Et lui, il demandait, mais que font les autres? Il savait. Il demandait, mais que font les autres? Mais ils vont aller dans le même train? Et donc les autres ont dit oui. Et donc ils vont aller dans le même train, et les moines les ont poussés pour que lui il puisse s'asseoir, l'enseignant. Et donc tout le monde poussait, ces moines jeunes poussaient les autres, ces jeunes tibétains, ils poussaient les jeunes indiens, etc. Et l'enseignant disait, mais ils veulent aller dans le même train? Et qu'est-ce qu'ils font? Et donc ils ont dit oui, en effet, ils vont rentrer dans le même train. Ah, mais ils ont besoin de s'asseoir aussi, ils ont besoin d'avoir un bon siège. Oui, oui, monsieur. Mais pourquoi est-ce que nous on a un siège mieux que les autres? Et laissez-les venir. Et donc les autres moines, ils sont venus, et les autres indiens sont venus, et donc finalement l'enseignant n'a pas eu de siège, mais il était resté debout. Mais pour lui, ce n'est pas grave. C'est la pratique. Dans la réalité,
Il a eu tellement l'opportunité d'avoir un super siège, mais en pensant à tous les autres qui sont en train de souffrir, et on est tous pareils, pourquoi est-ce que moi j'aurais un privilège? C'est la pratique de la réalité, en réalité. Dans l'avion, l'avion atterrit, et tout le monde se dépêche. Tout le monde se lève, tout le monde se dépêche, dès que l'avion atterrit. Et donc tout le monde dit « Ah non, non, veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir !» Les hôtesses disent « Veuillez, tant que les signes de la, de la ceinture, etc. ne sont pas éteints, et dès l'instant où ça tingle, hop, tout le monde se lève !» Et parce que, comme s'ils allaient plus vite à la maison. Non, pas du tout. Ils doivent aller, de toute façon, attendre les bagages, n'est-ce pas? Et donc, de toute façon, ils vont tous aller au même endroit. Et donc, quelqu'un qui va arriver, il n'aura pas nécessairement son bagage avant. C'est tellement... On se dit, moi, il faut que j'arrive en premier. Ça, c'est un signe qui montre, ça crée tout le problème en nous, que je suis le plus important. Cette façon de penser. Cette pensée, c'est ce qui engendre tous les problèmes. Et donc, sous le contrôle, et donc cet enseignant va avoir un bon siège, mais il les laisse venir tous. Et donc, c'est se sentir égal aux autres. C'est comme ça qu'on doit voir dans notre vie, de manière pratique, comment est-ce qu'on peut s'égaliser soi-même avec les autres. Et puis, avec cela, le test qui montre que vous avez réussi, c'est... Par exemple, de manière pratique, dans l'aéroport, on atterrit, et donc tout le monde se bouscule, et donc comment votre esprit fonctionne? Et c'est, vous aussi, vous avez envie de vous lever, c'est que vous n'avez pas passé, vous n'avez pas réussi le test. Si vous êtes tranquille, on est tous pareils, de toute façon on ira tous au même endroit, au même temps, et donc c'est pas grave, même si on arrive le premier, on devra attendre. Et la première qui arrive en premier, de toute façon, ça se trouve, son bagage arrivera en dernier. C'est la réalité. C'est juste du sens commun. C'est juste du bon sens. Et donc, on se dit, allez-y les premiers. Et donc, si ça vient dans votre esprit, naturellement, vous êtes proche du succès. Ou, si, d'une manière ou d'une autre, si quelqu'un, si quelqu'un doit avoir le problème, si vous y allez en premier, vous n'allez pas faire face au problème. C'est juste une situation où cela n'est pas grave, quelqu'un de toute façon doit souffrir. Si c'est moi ou les autres, c'est pareil. Si ça vient en vous, alors à ce moment-là, vous avez passé l'examen. Jusqu'à cela, vous pouvez mettre de côté les yoga tantras supérieurs. Vous pouvez mettre ça de côté. C'est tellement loin, même en rêve, n'est-ce pas? Passer cet examen, passer ce test, et à ce moment-là, ça ira. On pourrait voir quel est le point suivant. Et demain, il faudra donner la réponse sur le bout des doigts. Non. Aujourd'hui, c'est une exception. Vous pouvez regarder vos notes. Ouvrez vos notes. Prends. Non. Ça, c'est le numéro 4. 3. 4. Numéro 2. Aujourd'hui, vous avez le livre, ok, dites-moi, ok, regardez vos notes, dites-moi. Pamela? Réfléchir au méfait de se chérir soi-même. Demain, il faudra connaître toutes les réponses sur le doigt de la main. On va s'arrêter dessus aujourd'hui. Et
Swaha. Team of prayers translated. Team of prayers, yes. Good. Okay, page 261. Education. Team of prayers. On va faire la prière d'aspiration royale. Qui est page. La connue d'aspiration royale. Ah, on a peut-être pas tout. On a tout. Mais. Ah, ok. Page 261. Page 260. Sophie est très intelligente. 261. On va faire cette prière d'aspiration royale pour la longue vie de sa sainteté Dalai Lama. Et pour que sa sainteté ait une excellente santé et une santé exceptionnelle. Et puis pour que tous ses souhaits soient spontanément accomplis. Page 261 en français. 261. Oui, c'est ça. Ah, non, elle n'est pas complète celle-là. 261. Oui, 261, pas page 34, mais page 261. C'est bon, vous l'avez ? La prière d'aspiration royale a la conduite noble et excellente, l'extraordinaire aspiration de la pratique de Vasamantamadhava. Je me procède devant le jeune Aryamanjushi. Au Bouddha des trois temps, aussi nombreux soient-ils, qui demeurent dans les mondes et les directions, à eux tous sans exception, avec vénération, par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules, chacun entouré de Bodhisattva. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges intarissables, par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugatas. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, et tout cela, je l'offre victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le mont Meru, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Les vêtements, toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux, mieux par une grande foi, la conduite excellente, je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion, de l'ignorance, physiquement et verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous un à un. Des mérites, des victorieux, des dix directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires, des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, tout cela je me réjouis, lumière sur les mondes des dix directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous, protecteurs, je vous en prie, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma surpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Paranirvana, pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous en implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'accumule des vertus, si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. J'adresse des offrandes à tous les Bouddhas du passé et à ceux qui demeurent dans les dix directions, que tous ceux à venir s'empressent de parfaire leur esprit et d'atteindre graduellement l'éveil devenant de Bouddha. Puissent toutes les terres des directions devenir vastes et parfaitement pures, puissent-elles être totalement emplies de victorieux, de bodhisattvas qui se sont rendus sous l'exceptionnel arbre de la Bodhi. Puissent tous les êtres vivant dans les dix directions demeurer à jamais en bonne santé et heureux. Puissent-ils tous vivre en accord avec le sens du Dharma et voir le souhait être exaucé. Puissais-je adopter moi-même la conduite des bodhisattvas et me souvenir de mes vies dans tous les états d'existence au cours de toutes mes vies, durant la mort, le transfert, la renaissance. Puissais-je toujours prendre l'ordination.
En suivant les bas de tous les victorieux, puis-je parachever la conduite excellente et observer un comportement éthique immaculé, parfaitement pur, sans erreur, et qui ne dégénérera jamais. Dans le langage des dieux, des nagas et celui des esprits, dans la langue des vampires et dans celle des hommes, ainsi que dans toutes les formes de langage de tous les êtres, puisse-je de toutes les façons exposer le dharma. M'appliquant avec la plus grande diligence en perfection, puisse-je ne jamais oublier l'esprit d'éveil, et quelles que soient mes négativités et obscurcissements, puisse-je les purifier complètement sans exception. Non affecté par les démons, les facteurs perturbateurs et le karma, que j'œuvre cependant dans le monde des êtres à la manière du lotus sur lequel l'eau ne peut s'attacher, ou du soleil et de la lune que rien n'entrave dans le ciel. Dans toutes les tenues et les 10 directions du monde, et que je soulage complètement les souffrances des mondes infortunés, que je procure à tous les êtres le bonheur et sois bénéfique à tous. Que je parachève la conduite d'un bodhisattva et agisse en harmonie avec les êtres, que je leur expose parfaitement les aspects de la conduite excellente et agisse ainsi pendant toutes les ères cosmiques à venir. Puissent ceux dont l'attitude est semblable à la mienne être mes compagnons de toujours, que mon corps, mes paroles, ainsi que mon esprit ne fassent qu'un avec cette conduite et avec mes aspirations. Puissais-je toujours rencontrer les amis qui me veulent du bien et qui exposent parfaitement la conduite excellente et que je ne me détourne jamais d'eux. Puissais-je toujours percevoir directement les victorieux, les protecteurs entourés des bodhisattvas, et durant toutes les ères cosmiques à venir, sans défaillir, puissais-je encore les couvrir d'offrandes. Que je détienne le dharma sacré des victorieux, éclaire l'ensemble de la conduite des bodhisattvas, que je m'exerce également à cette conduite excellente, et que j'agisse ainsi durant toutes les ères cosmiques à venir. En tournant dans la ronde des existences, puisse-je acquérir des mérites et une sagesse inépuisable et devenir ainsi un trésor intarissable de méthodes, de sagesse, de concentration, de moyens de libération et de toutes les qualités. Chaque atome contient une infinité de champs de Bouddha, chacun étant rempli de Bouddha au-delà de notre conception, et chaque Bouddha est entouré d'une myriade de bodhisattvas. En adoptant la conduite d'un bodhisattva, puisse-je les voir? Ainsi, dans toutes les directions, sans exception, dans l'espace, d'un simple cheveu demeure un océan de Bouddha des trois temps, dans un océan des champs de Bouddha, que je les contemple parfaitement durant un océan d'air cosmique. Le son d'une seule parole éveillée qui renferme un océan de qualité, la pureté des caractéristiques de la parole de chaque victorieux répond aux prêtes dispositions de tous les êtres. Que j'écoute toujours les paroles d'un Bouddha. Tous les victorieux qui apparaissent dans les trois temps tournent admirablement les méthodes de la roue du Dharma, que moi aussi, avec les capacités que mon esprit possède, je grave dans mon esprit leurs paroles mélodieuses et intarissable. Que durant toutes les aires cosmiques à venir, je perçois les activités de Bouddha, que je les représente sur l'espace d'un instant. Dans un seul moment de conscience, j'expérimente la durée des aires cosmiques des trois temps, quel qu'elle soit. En un seul instant, je contemple les Bouddhas des trois temps, ces lions parmi les hommes, et je perçois leur succès d'activité par ce moyen de libération qu'est l'illusion. Je fais apparaître réellement sur un atome les terres de Bouddha des trois temps, parfaitement représentées, et de la même façon, sur tous les atomes sans exception, dans toutes les directions, je fais surgir des terres pures de victorieux aussi parfaites. Lorsque les lumières du monde, qui ne sont pas encore apparues, atteindront l'éveil, tourneront la roue du Dharma et montreront le passage dans la paix suprême du Nirvana, puisse-je me retrouver en la présence de tous ces protecteurs. Puisse-je développer parfaitement le pouvoir de l'émanation magique instantanée, le pouvoir du véhicule qui est la porte de toutes choses, le pouvoir de la conduite dotée de qualités permettant tout, le pouvoir de l'amour pur omnipénétrant, le pouvoir des mérites en tout vertueux, le pouvoir de la sagesse primordiale sans entrave, le pouvoir de la sagesse, de la méthode, de la concentration et le pouvoir de l'éveil. Puisse-je purifier définitivement le pouvoir du karma et vaincre tous les pouvoirs des facteurs perturbateurs, puisse-je réduire à l'impuissance des puissants démons et parfaire le pouvoir même de la conduite excellente. Puisse-je totalement purifier un océan de monde et libérer complètement un océan d'être. Puisse-je voir parfaitement un océan de dharma, réaliser un océan de sagesse primordiale. Puisse-je accomplir un océan d'activité de bodhisattva et parfaire un océan de prière d'aspiration. Puisse-je adresser ses offrandes à un océan de Bouddha et me comporter ainsi inlassablement pendant un océan d'air cosmique. Tous les victorieux des trois temps formuler des prières d'aspiration particulières à la conduite des bodhisattva. Par cette conduite excellente, puisse-je atteindre l'éveil, l'état de Bouddha et parfaire ainsi toutes leurs prières. Afin de me conduire à l'égal du sage, appelé Samantabhadra, chef parmi les fils de victorieux, je dédie toutes ses vertus. Tout comme cet excellent sage dédia tous les actes purs de son corps, sa parole et son esprit, sa conduite et des terres parfaitement pures, puisse-je moi aussi l'égaler en cela. Afin d'accomplir en tout des actions vertueuses excellentes, que je pratique la prière d'aspiration de Manjushri et qu'au cours de toutes les aires cosmiques à venir sans défaillir, je parachève toutes ces actions.
Puisse cette attitude pure ne pas avoir de limite, mais qu'elle était aussi être aussi illimitée, demeurant dans cette conduite incommensurable, puisse-je, comme les Bouddhas, les Bodhisattvas, déployer l'infini des émanations. Illimitée est l'étendue de l'espace, illimitée est le nombre des êtres, illimitée sont leurs karmas et leurs perturbations. Telles sont les limites de mes aspirations. On peut offrir victorieux les chants de Bouddhas infinis, les 10 directions ornées de joyaux, et leur offrir aussi le bonheur suprême des dieux et des hommes durant des aires cosmiques aussi nombreuses qu'il y a d'atomes dans le monde. Mais entendre cette dédicace souveraine en se réjouissant de l'éveil suprême, ne serait-ce qu'une seule fois, le cœur rempli de dévotion fait naître un mérite ô combien supérieur. Ceux qui récitent cette prière d'aspiration à la conduite excellente seront préservés de toute renaissance infortunée, ils délaisseront la mauvaise compagnie et percevront rapidement Amitabha. Ils trouveront toutes les conditions propices et éprouveront le bonheur, et même cette vie leur sera favorable. L'égal de Samantabhadra, ils le deviendront sans attendre longtemps. Si ceux qui ont accompli les 5 actions et effets immédiats sous l'emprise de l'ignorance récitent cette prière d'aspiration à la conduite excellente, ils seront rapidement et totalement purifiés. Ils seront dotés de sagesse, d'une belle apparence, des marques d'un Bouddha, d'un teint éblouissant, issus d'une bonne famille. Les nombreux démons et hérétiques ne pourront rien contre eux et ils seront révérés dans les 3 mondes. Rapidement, ils se rendront sous l'exceptionnel arbre de la Bodhi et s'y assiéront pour le bien de tous les êtres. Ils s'éveilleront, deviendront des Bouddhas, tourneront la roue du Dharma et dompteront les Maras et leur horde. Le résultat de la maturation de la mémorisation, de l'enseignement, de la lecture de cette prière d'aspiration de la conduite excellente est contenu seulement d'un Bouddha. Ne doute pas qu'il soit l'éveil suprême. J'apprends à suivre les exemples de tous, comme celui du Ramajushri omniscient et celui de Samantabhadra, et dédie parfaitement toutes ses vertus. Pour les victorieux qui apparaissent dans les 3 temps, ont tenu pour suprême cette dédicace. Aussi, je dédie toutes mes racines vertueuses à cette excellente conduite. Quand l'heure de ma mort arrivera, que se dissipent tous mes obscurcissements et percevant directement Amitabha, que je rejoigne la terre pure de grande félicité. Une fois là-bas, puissent ces prières d'aspiration devenir toute réalité, que les accomplissements tout entièrement montrent qu'il y aura des mondes, j'œuvre pour le bienfait des êtres. Dans cette excellente terre de la joie, le mandala du victorieux, puisse-je atteindre d'un magnifique renaître d'un magnifique lotus sacré, puisse le victorieux Amitabha directement prophétiser mon atteinte de l'éveil. Ayant parfaitement reçu cette parole prophétique, puisse-je par le pouvoir de mon esprit manifester des centaines de millions d'émanations bénéfiques aux êtres dans les 10 directions. Que l'infime vertu que j'ai accumulée en récitant cette prière d'aspiration à la conduite excellente sert à exaucer instantanément toutes les aspirations vertueuses des êtres. Par les précieux mérites infinis que j'ai obtenus par ma dédicace de cette conduite excellente, puissent les êtres submergés par le flot de souffrance atteindre la terre d'Amitabha. Que cette prière d'aspiration royale suprême entre toutes soit bénéfique à l'infinité des êtres et que la composition de ce texte inspiré par Samantabhadra vide tous les mondes infortunés sans exception. Le 286, c'est à la fin, tout à la fin. 86, c'est à la fin de ça, ok. Page 286. Allez, ok, donc c'est page 284 en français. Ce dirait, je dis ici, non, on connaît pas. On n'a pas tourné. Ah oui. Vous qui clarifiez toujours la voie unissant vacuité et compassion, ô protecteur du Dharma et des êtres du pays des neiges, Tenzin Gyatso, je vous prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées, actions malsaines, des forces malignes humaines et non humaines qui prennent une apparence malveillante à cause de prières perverties faites à l'encontre du Bouddha Dharma être totalement vaincues par le pouvoir de vérité des 3 joyaux. Donc on est page 287 en fait, en bas. Puis-je, au cours de mes existences, n'être jamais séparé de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma, après avoir parachevé la qualité des terres et des chemins, puis-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences, puis-je être guidé par l'Yama, je serais être capable de me prier dans ma vie de détenir le Dharma en général et essentiellement sur la terre d'importance en particulier. 3 postes à la suite.